message, un événement. Le traditionnel discours du chef de l'État Paul Biya à la Nation le 31 décembre fait l'objet de commentaires, d'analyses et de décryptages. C'est le fait majeur dans la presse en cette première semaine de l'année 2024. L'émissaire et l'indépendant soulignent respectivement les problématiques évoquées ainsi que les points essentiels de l'allocution présidentielle. Quant au quotidien national bilingue Cameroun Tribune, un point d'honneur est mis sur la volonté et la détermination du président de la République à conduire le Cameroun vers son émergence malgré les difficultés. La mise en œuvre de nombreux chantiers, les défis à relever dans les sous-secteurs eau et énergie sont à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune, le quotidien et Terre Promise Hebdo. La presse qui se détache difficilement de l'allocution du chef de l'État se penche aussi sur la remise des épaulettes et des galons aux forces de défense et de sécurité le 1er janvier. Réalité Plus raconte alors les cérémonies irrelatives à Djabane dans le sud-ouest et à Douala dans le littoral, en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Cette actualité brûlante ne fait cependant pas ombrage à la situation encore préoccupante des victimes du sinistre du quartier Mbankolo à Yaoundé. Selon Réalité Plus et le journal à capitaux publics, le président Paul Biya octroie 92 millions de francs CFA aux familles ayant perdu un proche. L'appui financier est destiné, précise ces journaux, à l'organisation des obsèques qui ont démarré vendredi. Parlons à présent de l'économie, plus précisément des innovations de la loi de finances 2024. Il faudra désormais payer ses impôts pour obtenir un visa, peut-on lire à la une de Le Jour. La publication confirme que l'attestation de conformité fiscale est exigée à toute personne désireuse d'obtenir un visa de sortie du pays. La mesure en vigueur depuis le jour de l'an vise, selon le drapeau, à intégrer les contribuables du secteur informel dans le système fiscal. Sont également ciblés par le paiement des taxes cette année les influenceurs. Le Jour révèle qu'il est effectivement institué un taux allégé de 5% au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Dernière nouvelle de la Coupe d'Afrique des Nations en préparation, Mouminga Maleu fait désormais partie des 27 lions indomptables en route pour Abidjan. Le sélectionneur Rigobert Song vient de convoquer le sociétaire de Dynamo Moscou en vue de remplacer Régis Muguet, déserteur selon la voix des jeunes. Fin de scène pour la revue de presse, place au débat. Merci à vous Laetitia Onana pour ce relevé de presse de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la première édition de scène de presse du mois de janvier. Occasion pour nous de vous souhaiter une bonne année 2024, une année pleine de réussite, de santé et de bonheur. Ensemble, faisons de cette nouvelle année un nouveau chapitre de succès partagé. Cela dit, comme vous le savez très bien, c'est la saison des vœux. Le président de la République a reçu vendredi dernier les vœux de nouvel an 2024 au Palais de l'Unité. Mais avant cela, le président Paul Biya s'est adressé à la Nation le 31 décembre 2023. L'un des points que nous avons retenu et qui sera débattu tout au long de cette émission, c'est l'augmentation annoncée du prix des carburants. Question, qui paie le prix de la hausse? Quel type d'ajustement opérer pour ne pas impacter substantiellement le pouvoir d'achat des ménages? Quelle attitude de consommation rationnelle adopter pour les ménages? Le message de fin d'année du président de la République rappelle à la mémoire la crise dans le secteur de l'éducation et ce malgré les efforts du gouvernement. Bien évidemment, la crise dans le secteur de l'éducation a des conséquences sur les familles qui se détruisent à la vitesse lumière. Cela a des conséquences sur la société en général qui fait face, une société qui fait face aujourd'hui à des phénomènes aussi destructeurs que ce qu'on appelle les féminicides. Les féminicides qui constituent, vous l'avez compris, le deuxième point de notre échange de ce soir. Pour vous et pour dérouler tous ces sujets, nous avons fait venir Nathalie Mvogo. Bonsoir. Bonsoir Séverin et bonne année. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Nathalie est journaliste à la Cameroun Radio Télévision, Poste National précisément. Encore une fois, merci.
En face de vous, Nathalie, c'est Dr Léon Tchonko. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu également. Ah, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique numéro 2 au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Très exact. Tout à côté de vous, Charles Ismoulé. Charles, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Comme l'année dernière, on était ici à la première édition pour discuter ces types d'événements. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse parce que vous êtes le chef de l'unité des affaires diplomatiques. Et donc, tout à l'heure, nous allons évoquer l'environnement international. Enfin, je termine avec Serge Aimé Bicoy. Bonsoir Serge. Bonsoir Séverin, salut à tous les copanélistes et à tous les téléspectateurs. Vous êtes journaliste à la RTS, Radio Tchémini Siantou, c'est à Yaoundé. Nous serons rejoints tout à l'heure par Caroline Bafakan. Elle viendra lorsqu'il faudra parler des féminicides. Elle est membre d'une ONG. Elle occupe le poste de gender officer. Elle nous dira davantage sur son poste. Toute notre gratitude à vous qui prenez la peine de nous regarder tous les dimanches soirs. Comme de tradition, la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Palais de l'Unité s'est déroulée en deux temps. La première séquence a eu lieu au Salon des ambassadeurs au premier étage du Palais de l'Unité. Et sur la scène, le corps diplomatique accrédité au Cameroun et les représentants des organisations internationales. Après, le président de la République s'est rendu dans la salle des banquets du Palais de l'Unité toujours pour le même exercice, cette fois avec les corps constitués nationaux. Deux mouvements principaux à retenir de cette cérémonie, le doyen du corps diplomatique, le haut commissaire du Gabon, Paul Patrick Biffot, qui a passé en revue les événements importants de ces dernières années au Cameroun, avant d'exprimer quelques attentes du corps diplomatique relativement à certains aspects de la vie nationale. Enfin, il y avait le discours du chef de l'État en réponse aux vœux du corps diplomatique. Alors, entendre tout ce qui s'est dit au Salon des ambassadeurs, parce que c'est là où il y a eu le discours. Vous êtes rassuré, la conjoncture internationale est bonne pour notre situation interne, Charles Ebouné? Je ne pense pas, parce que chaque pays doit vivre avec ses réalités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Mais j'ai quand même retenu quatre choses du discours du président de la République à la famille diplomatique accréditée au Cameroun. D'abord, la justice climatique. Le président est revenu sur les changements climatiques et il estime que les pays en voie de développement comme le Cameroun, qui constitue d'ailleurs 10% du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon économique, écologique mondial, doivent être compensés financièrement pour la stabilisation de l'écosystème écologique mondiale parce qu'ils n'ont rien fait. Et quand le président c'est de la République. C'est un sujet longuement discuté à la COP28. Il a évoqué COP28, il a évoqué le One Forest Summit, on peut parler du sommet des trois bassins qui a eu l'année dernière au Congo. Après la justice climatique, le président de la République a évoqué la question du développement. Pourquoi le développement? Le président de la République a interpellé la communauté internationale présente au Cameroun, côté bilatéral et côté multilatéral, d'assister le Cameroun dans ses efforts du développement. Et d'ailleurs, beaucoup font déjà suffisamment dans ce domaine, mais il faut accroître. Lorsque vous prenez par exemple la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, le Japon par exemple contribue déjà environ 3 milliards de francs CFA. Les Français avaient annoncé 45 milliards de francs CFA. Je peux citer dans le domaine de la santé où les Américains investissent pas moins de 60 milliards de francs CFA toutes ces dernières années. Troisième évocation du président de la République, la question du terrorisme. Le terrorisme, selon le président de la République, continue à créer les situations de criminalité partout dans le monde. Je pense qu'aucun pays n'est à l'abri de l'insécurité. Et comme le monde est un village planétaire, il y a une interconnexion entre tous les pays du monde, forcément. Une guerre en Ukraine, une guerre au Moyen-Orient impacte au plan économique tous les États, tous les pays du monde et même au plan sécuritaire. On n'est pas du tout à l'abri et certainement le président de la République, Paul Biya, qui est un homme d'expérience, qui tient bien les affaires, sert de modèle aux autres dirigeants pour pouvoir gérer avec maestria et, les questions brûlantes,
les affaires brûlantes au plan sécuritaire comme au plan économique. On reste systématiquement éveillé face aux différents événements qui se passent à l'extérieur. Vous savez bien que chaque fois que un pays est secoué à l'étranger, notamment au niveau des puissances occidentales, c'est l'occasion opportune de commencer à mesurer un ensemble d'incidences négatives qui peuvent justement peser, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan économique ou bien sur le plan culturel. Et lorsque vous essayez un peu d'analyser cela, ça vous permet davantage de ne pas rester indifférent face à ce qui se passe dans le monde entier. C'est d'autant plus qu'il y a toujours des impacts aussi bien interne qu'extérieur. Et au niveau de ces impacts-là, tout le monde sait quelles sont les conséquences aujourd'hui négatives de la crise russo-ukrainienne depuis qu'elle a commencé à avoir droit de cité. Et lorsqu'il y a également aujourd'hui le conflit entre Israël et Hamas, ça permet également de pouvoir réfléchir dans la résurgence des coups d'État en Afrique. Tout à fait. Et nous sommes dans un moment où les cartes sont en train d'être redistribuées. Et on est vraiment en une situation où vous vous rendez compte avec ce qui se passe en Ukraine et l'OTAN, l'ensemble de cette disposition. Et aujourd'hui, Israël fait qu'aujourd'hui on cherche à détrôner certaines puissances pour s'installer. Certaines puissances cherchent à détrôner les autres pour avoir la meilleure place. On voit bien le jeu qu'il y a. Voilà, il y a tout un jeu à l'intérieur. Qui prennent l'ampleur. Alors, vous constatez donc qu'à l'intérieur de ça, le Cameroun ne peut pas être isolé. Parce qu'il y a un impact, il y a des effets dominos, il y a des effets économiques, il y a des effets ainsi de suite. Et parfois, les positions d'un chef d'État peuvent plaire ou vexer une partie. Alors, je crois que il faut être prudent. C'est ce qui peut expliquer, à mon sens, toute la prudence, toute la pondération, toute la mesure que l'absence le chef de la brutalité voilà. qui doit d'abord être normal. Voilà. Et puis, naturellement, il a toujours été quelqu'un de pondéré, de posé. Alors, le Cameroun était au centre de ses discours également. C'est vrai, le président s'adressait au corps diplomatique. Ben, on a parlé du Cameroun. Subtilement. Tout à fait, même pas subtilement. Le président de la République a utilisé la souveraineté que le peuple camerounais lui a confiée d'évoquer une question d'actualité internationale que le Cameroun est fortement impliqué, c'est-à-dire la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le candidat Philemon Yang, le président, a d'abord remercié l'Afrique centrale qui a porté la candidature posée par le Cameroun et a également appelé à ses pairs dans le monde entier de soutenir le candidat du Cameroun pour deux raisons. Pour deux raisons, le président de la République estime que les tensions des foyers dans le monde entier qui existent aujourd'hui, il n'y a pas autre organisation mieux pour régler ces problèmes que les Nations Unies. Autre chose que le président a évoqué, même le sens de votre question, c'est au regard des chiffres qui existent lorsque vous parlez du monde, parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si ce qui arrive ailleurs ne nous impacte pas. Lorsque vous prenez la crise ukrainienne, par exemple, c'est 70 milliards des pertes de l'économie mondiale l'année dernière et c'est 40% de la production mondiale du blé et ça vous donne déjà les conséquences sur la flambée des prix au niveau des produits liés à ces productions. En réponse aux vœux du corps diplomatique, le président Paul Biya a relevé les principaux défis auxquels le monde est confronté et leurs conséquences. Écoutons un extrait du discours de son Excellence Paul Biya. Nous devons, hélas, faire le constat qu'alors que se poursuit la guerre en Europe de l'Est, l'année qui s'achève a vu s'allumer un autre conflit meurtrier au Moyen-Orient. Dans le même temps, se multiplient à travers le monde d'autres foyers de tension en mer Rouge, en Asie du Sud-Est, dans la péninsule coréenne, etc. Le continent africain n'est pas épargné, ni par les tensions, ni par les conflits. Au contraire, la situation au Soudan préoccupe gravement la communauté internationale, de même que celle de la région des Grands Lacs.
les activités criminelles des groupes terroristes continuent de mettre en péril la stabilité de nombreux pays. Eh bien, on a toujours à l'esprit le message de fin d'année du président de la République. En voici quelques morceaux choisis, ça nous concerne tous autour de cette table. Je cite, la subvention des importations de produits pétroliers continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. C'est une annonce forte, hein? C'était le 31 décembre 2023. C'est clair que les prix vont bientôt changer dans les stations service. Docteur Tionko, vous souriez, ça ne vous fait pas peur? Moi, je crois que c'est une situation qui est assez préoccupante. Et elle est aussi préoccupante au point que tous les Camerounais devraient prendre la mesure de la situation pour que des stratégies de réponse, même si ce n'est pas à court terme, que des stratégies de réponse soient mises en place. Parce que la difficulté, c'est de se jeter aux réponses tic au tac. Des réponses, des réactions de tic au tac font que parfois on ne se projette pas. Il est important que ceux qui sont dans des positions de réflexion stratégique, qui font de la macroéconomie, qui pensent pour le pays, se mettent au travail pour trouver des alternatives. Pour que d'ici quelques années, je prends par exemple le raffinage de notre pétrole brut de Limbé, il faut bien qu'on se mette ensemble et qu'on mobilise les ressources nécessaires pour arriver à raffiner notre pétrole. Mais ce n'est pas pour demain, parce que de toutes les façons, la réhabilitation de la Sonora... Oui, c'est pour ça que j'ai parlé des réactions, des stratégies, et on fait des stratégies à court, à moyen et à long terme. Mais si vous ne projetez pas déjà à long terme, l'an 50 va toujours nous surprendre avec la solution de l'an 23, de l'an 2023. C'est pour ça qu'il est important que dans la planification, on visualise les années à venir, on commence à mettre en place des stratégies pour y arriver. On peut réfléchir maintenant sur les alternatives, la gestion des autres formes d'énergie. Le Cameroun repose sur des institutions stables et solides. Et comme c'est l'a dit, une affirmation forte. Hein. Oui, comme l'a dit le chef de l'État, nous sommes en mode résilience depuis un bon moment, depuis déjà la première augmentation des prix de carburant. Et des alternatives existent. Il faut encourager la production locale et on a une veille qui est activée à travers le ministère du Commerce, le ministre du Commerce, qui veille à ce que la ménagère, pour parler d'elle précisément, ne soit pas impactée plus que tout le monde par cette hausse des prix. C'est-à-dire que le ministère du Commerce, parce que en tant que veille, il faut assurer. Le conducteur de moto, il va désormais prendre 500. Oui, j'exagère un peu, 500 pour partir de Mokolo à Mélène, il peut le payer 500. Les agents du ministère du Commerce, ils seront dans leur bureau, ils ne seront pas là pour... Mais il faut s'assurer qu'au marché, la ménagère pourra continuer à acheter son plantain, son macabo ou son poisson. Et pour cela, il faut contrôler toujours les prix, s'assurer qu'il n'y a pas de pénurie, s'assurer qu'il n'y a pas une inflation qui ne puisse pas être supportable par les Camerounais et encourager la consommation locale. On voit déjà du pain à base de farine, de patates, de manioc. Il faudrait encourager la consommation locale et surtout réduire les importations de certains produits. Moi, j'aimerais bien manger des spaghettis faits à base de patates, si ça peut exister. Ou du manioc, si ça peut exister. Non, pas de 2022 où la subvention des carburants avait coûté 1500 milliards de francs CFA. Et en 2023, c'est 600 milliards de francs CFA. Et ça va nécessairement entraîner en 2024 d'autres réajustements. C'est d'autant plus que, vous voyez, il y a une espèce de chape de plomb, le FMI qui fait de temps en temps des injonctions au gouvernement camerounais de manière qui est la baisse de la réduction, de manière qui est la baisse de ces subventions. Mais est-ce que le gouvernement lui-même ne voyait pas cette chose-là arriver? Parce que
l'augmentation de la subvention, on la voit, il y a quand même des chiffres qui circulent, il y a des éléments de mesure qu'on a. Si on avait eu justement des stratégies nous permettant de prévoir cela, je pense que... Ou bien on est resté dans le social. On est resté dans le social pour éviter des soulèvements, des choses comme ça. Resté dans le social, pas vraiment, puisque s'il faut parler du social, les enseignants ont pendant longtemps tenu des mots d'ordre de grève, menacés. On a été résilients aussi. On a été résilients, tout à fait. Côté, oui. Et on a répondu à leurs préoccupations de façon graduelle. Moi, je voudrais dire que développer une attitude de résilience permanente ne me semble pas une bonne attitude de façon globale. Vous ne pouvez pas... Une attitude de résilience a en toile de fond une attitude attentiste. C'est-à-dire que ça arrive et puis je m'y accommode. J'accepte, je trouve la stratégie pour accepter la contrainte qui m'arrive. Là, c'est une attitude de résilience. Mais on doit être prospectif. Il faut que nous soyons prospectifs. Et ça se joue au niveau de l'économie qui se fait, qui se calcule de façon... qui s'analyse de façon macro. Et c'est quand on a fait une analyse de l'économie de façon macro qu'on va venir maintenant aller dans la micro et ressentir sur... Il faut qu'on travaille, on s'interroge si notre balance commerciale va pouvoir être positive d'ici à telle année. Si on reste pour recevoir le choc, et on va rester sujet des institutions de Bretton Woods, qui reste à nous imposer. Aujourd'hui, les économistes nous disent notre budget n'est pas totalement libre. On contrôle le budget, mais on a le FMI qui est derrière nous. On a la Banque mondiale qui est derrière nous. On est suffisamment endetté. Si on ne travaille pas sur comment est-ce qu'on peut réduire ces endettements, comment est-ce qu'on peut améliorer notre production pour acheter, pour importer moins et consommer plus local, ou même à la limite exporter plus que nous en importons. C'est fort de cela qu'on peut arriver à de tels aménagements. Donc pour moi, oui, c'est bon d'être résilient. Quand on a une situation, on ne va pas être défaitiste, on va trouver les mécanismes pour réguler la situation. Là, je dirais, on est résilient, mais il faut être prospectif. Écoutez, d'emblée, l'année 2024 sera une année économiquement difficile, selon la tablette économique de la planète établie établi par l'FMI. La croissance en 2023 était de 2,9, en 2024 c'est 2,7. À partir de cette tablette établie déjà par l'FMI, nous voyons que nous sommes dans une situation difficile globalement. Chaque pays maintenant doit faire les ajustements nécessaires vis-à-vis à son tissu économique. Alors j'en profite pour poser la question. Je peux? Oui, peut-être que vous allez continuer, Charles, mais je profite. Est-ce que nous sommes préparés à vivre le choc qui s'annonce? Est-ce que les ménages sont préparés à vivre le choc? On a l'impression que, oui, ça s'est dit... ça viendra pas, on est encore, il y en a qui sont dans le doute, alors que c'est quand le premier des Camerounais le dit. Est-ce que les Camerounais, quel type d'ajustement il faut commencer à prévoir maintenant pour accueillir ce choc? Lorsque ce genre de situations sont annoncées, première préoccupation ou bien premier ajustement pour un État provident comme le Cameroun, c'est revoir la situation salariale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... On y est. Revalorisation des salaires. Est-ce qu'on y est? C'est ça? L'administration... Les salaires ont été... J'arrive. Jusqu'à là où nous parlons, Dion Goûté est encore Premier ministre et toute son équipe. Ils vont trouver les solutions et faire des propositions au président de la République. Deuxième chose... Lorsque ces genres de situations sont annoncées, vous cherchez les nouvelles opportunités de résoudre le problème qui existe. C'est pour cette raison que dans son discours de fin d'année, le président parlait qu'il faut qu'on aille vers les mines aujourd'hui, parce qu'il faut trouver les nouvelles ressources. Oui, Charles, dernière chose, Séverin,
Les autres ont parlé de la résilience et tout ça. Ce n'est pas un mot que je souhaite utiliser. Je veux simplement dire que les Camerounais... Enfin, le terme est désormais à la mode. Oui, oui, moi je n'aime pas ça. je voudrais simplement dire que les Camerounais ont l'expérience des sorties tête haute. Des situations difficiles. Est-ce que l'effet multiplicateur de l'augmentation des salaires peut adoucir le choc de la hausse des prix à la pompe? Nous ne connaissons parce pas encore le pourcentage. Ceux qui bénéficient de cette revalorisation des salaires, c'est Nathalie. Ça dépendra du pourcentage. Ça dépendra. Est-ce que c'est la petite ménagère qui va désormais acheter le litre de pétrole à 2 000, quelque chose comme c'est ça? C'est une pommade, c'est un baume. C'est un pansement. C'est un bon pansement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette hausse des prix de carburant va entraîner justement des dommages beaucoup plus au niveau du bas peuple. Ce sont les consommateurs qui vont en payer le lourd tribut. Parce qu'en réalité, vous comprenez ma question maintenant. On essaie un peu de voir les différentes classes sociales. La classe qui est considérée comme la classe nantie va pouvoir supporter, mais le bas peuple au niveau de... Si jamais on augmente les salaires, c'est ça? Est-ce que vous êtes sûr qu'à l'heure actuelle où il y a justement des problèmes au niveau de l'amoindrissement de l'assiette fiscale, est-ce que c'est possible à l'heure actuelle d'augmenter les salaires? Je ne suis pas dans le secret de Dieu, je dis simplement que dans le monde entier, lorsque nous avons déjà des situations, c'est voici des les voies. Prévisions économiques. On va écouter, docteur. Je veux revenir sur la question de revalorisation des salaires. Je pose d'abord la question, de quel salaire parlons-nous? De quel salaire parlons-nous? Ceux qui sont payés par qui? La revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État, ils sont combien sur les 23 millions de Camerounais? Ils sont combien? Ah, la fonction publique, c'est 90 000 personnels de l'État. Si je me fie à ce qu'il dit, on est 90 000. Vous pensez que la situation économique du pays pourra changer parce qu'on a augmenté mon salaire de 40% à 90 000 personnes, c'est-à-dire que moins de 100 000 personnes sur les 23 000 personnes que nous avons? Je crois que l'État s'interroge sur la soutenabilité de telles situations. Ce n'est pas que ça préoccupe. Mais maintenant, il faut répondre, il faut trouver des stratégies. Pendant qu'on le fait pour le fonctionnaire, on fait quoi pour celui qui travaille à la poissonnerie de mon quartier, qui a aussi une famille à nous? On demande à son patron d'augmenter son salaire. Si on n'a pas mis un tissu économique... Il faut dire que son patron applique au moins le SMIC. Voilà. Ce qu'il refuse déjà. Voilà. Il faut donc maintenant que le patron soit capable de produire au point de supporter sa charge salariale. C'est pour dire quoi? La réponse de l'augmentation du salaire du fonctionnaire est bien. Mais il faut réfléchir de façon globale. Comment est-ce qu'on peut améliorer le tissu économique de façon globale? Comment on peut inciter les gens à être capables de s'auto-employer, de créer l'emploi? Comment on peut accéder au crédit pour multiplier? Les conditions d'accès au crédit, par exemple, ne sont pas faciles. Il faut qu'on travaille pour que ma mère qui est au quartier, qui vend les beignets au carrefour, soit capable de me permettre de parler des conditions de crédit, mais écoutez, dans une économie normale et moderne, c'est que nous avons aujourd'hui, le Cameroun, une économie mixte, c'est-à-dire un peu du capitalisme, un peu du socialisme, un peu du communisme, un peu de tout ça. Mais il faut, quand vous parlez de la création de la recherche ou bien l'accès au crédit, mais il faut également parler des projets bancables, parce que c'est bien de dire qu'on a besoin de l'argent qui est là, mais est-ce que vous avez les projets bancables? Il faut encadrer les PME, encadrer le citoyen camerounais pour qu'il soit capable d'élaborer des projets bancables. Si on ne crée pas de la richesse, on reste pauvre. Il faut amener les Camerounais à créer de la richesse, être capable de créer de la richesse. Et pour qu'on crée, il faut qu'on fasse que l'environnement économique global soit propice à ce que le jeune qui a fini ses études à la fac soit capable de mettre en pratique ou alors de réaliser quelque chose qui mûrit. Sans être un prophète des mauvaises choses, la réalité économique également impose que homo economicus, l'homme économique,
tout le monde ne peut pas être riche dans une société. Merci Charles. On va bientôt accueillir Madame Caroline Bafakan. Merci, merci de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je vais lui donner un coup avant. Merci, merci beaucoup. On va attendre les ajustements que l'État va décider justement pour que cette affaire, ce choc, soit moins effrayant que nous sommes en train de le dire. Il faut dire que le message de fin d'année du président de la République touche aussi en profondeur la crise dans le secteur de l'éducation. Malgré les efforts du gouvernement, la sérénité n'y est pas du tout. Hein. Elle n'est pas revenue. C'est inquiétant pour 2024. Mais ce qu'il faut dire davantage, c'est que la crise dans le secteur de l'éducation des enfants a un impact sur les familles. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Faute de repères et de marqueurs forts, les phénomènes pernicieux comme les féminicides s'installent dans le corps social. Le point de presse organisé à Yaoundé il y a quelques semaines par le collectif Stop Féminicide 237 montre qu'il y a une augmentation inquiétante des cas de féminicide dans notre pays depuis le début de l'année. Au mois de mai 2023, le quotidien camerounais La Griotte, un média spécialisé sur les questions féminines, établit qu'en 54 jours, 16 femmes, dont des jeunes filles, ont été assassinées. Et on a encore à l'esprit à Yaoundé l'assassinat de Vanessa, une jeune dame de 32 ans, qui hante nos esprits, qui est toujours là, on voit ce que c'est. Alors Caroline Bafakan, bonsoir. Bonsoir. Bonne année, merci d'être venue. Merci, merci, je vous remercie aussi. Bonsoir le panel et bonne année à tous. Ce sujet vous parle? Ah, ce sujet me parle. Et ça parle à tout le monde. On va dire, ça parle aux femmes, mais je suis désolée, ça parle à tout le monde, parce que tout le monde y est impliqué. Vanessa a perdu sa vie pour rien. Et son bourreau, croyant lui faire du mal, s'est fait du mal à lui-même, parce que où est-il aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Il a laissé, ils ont laissé 3 orphelins qui n'ont ni père, ni mère, à cause des velléités qu'on ne peut expliquer. Des chiffres qui sont avancés nous effraient. Ça laisse penser, comme l'indique BBC, qu'au Cameroun, le féminicide de Nathalie a de beaux jours. Malgré tout ce qui est fait, malgré les plaidoyers, malgré la mobilisation des acteurs sociaux, l'État est out. Je ne vais pas dessiner le diable, Séverin. Les féminicides ont augmenté considérablement en 2023. Mais je pense que le ministère de la promotion de la femme et de la famille en particulier et l'État a pris le taureau par les cornes. On a vu comment les 16 jours d'activisme se sont déroulés cette année. La sensibilisation est montée d'un cran. Il est question de sensibiliser les hommes, les femmes. Il est question de sensibiliser nos enfants sur les dangers des violences, leur parler des violences et surtout d'amener les victimes à briser le silence. Et ça, c'est un message phare, c'est un message qui a circulé dans toutes les ONG, dans toutes les campagnes qu'on a vues à travers les médias et même auxquelles on a assisté. Il faut briser le silence. Il faut mener des actions pour que les femmes ne se laissent plus tuer, ne se fassent plus tuer. Et la première personne à briser le silence, c'est la victime elle-même. Il faut en parler. Il faut en parler et trouver les bonnes adresses. On a la chance d'avoir plein d'ONG aujourd'hui qui œuvrent pour lutter contre les violences, qui accompagnent les femmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. On a la chance également d'avoir une plateforme mise en place par le ministère de la promotion de la femme et de la famille pour accompagner toutes ces actions et mettre ensemble toutes ces actions avec les forces de l'ordre, avec les pouvoirs publics. En fait, c'est qu'il faut que les femmes sachent que ça existe. Alors, quelles sont les causes? Elles ne savent pas que ça existe. Quelles sont les causes profondes du mal? C'est l'émancipation de la société? C'est l'État qui ne fait pas assez? C'est l'attentisme des acteurs sociaux, des ONG qui ont peut-être le regard ailleurs, là où il y a des financements? Nous sommes autour de 60 pour l'année 2023.
C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Même un seul, 60 femmes tuées. 60 femmes tuées. Parce que quand on dit féminicide, là, peut-être qu'on ne comprend pas bien. Et des femmes tuées connues. Voilà. Si on parle de ce qui se passe. Voilà, je voulais venir, je voulais dire ça, c'est les 64 documentés. Il peut avoir des il y a des meurtres camouflés. C'est-à-dire quelqu'un qui peut tuer son conjoint et maquille la scène et puis ça passe inaperçu. C'est un féminicide qu'on n'a pas pu enregistrer. Mais où est la cause? La cause, c'est vous, c'est moi, c'est l'éducation que nous donnons. Il faut travailler à la racine. On ne tue pas un arbre en coupant ses fruits. L'année prochaine, il va reproduire. On tue un arbre en l'attaquant à la racine. On doit travailler sur les familles. Et c'est ce que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille essaye de faire. Toucher les familles pour que le discours tenu aux jeunes garçons soit un discours qui respecte sa sœur femme. Tenir un discours à la jeune fille pour qu'elle ne se sente pas inférieure. Et c'est dans ce sens que nous parlons généralement même et aux parents. On parle de la parentalité positive. C'est un concept que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille développe. On parle de la parentalité positive. Nous avons même produit un guide d'éducation matrimoniale, prénuptiale et conjugale pour accompagner les jeunes couples. Parce qu'on s'est rendu compte que tout part de la famille. La famille est au centre de... C'est là où on reçoit les premières valeurs, disons-le comme ça. Nos premières valeurs, nous les recevons à la famille. Et qui est responsable de la famille? C'est les aînés. C'est les aînés qui doivent avoir un discours pondéré. C'est l'aîné qui doit être... L'aîné, je parle du parent. C'est parce que mon fils me voit battre sa mère qu'il intègre que la violence est un mode de résolution de problèmes. Il va reproduire. Culturellement, il y a des groupes où parfois ces violences sont... normalisées. Admise, entre guillemets. Oui, non, moi je veux m'inscrire en faux. Personne n'aime la douleur, à moins qu'on soit psychologiquement malade. Personne n'aime la douleur. Personne ne peut aimer la violence. On nous dit qu'il y a des groupes sociologiques où la femme se sent aimée parce qu'elle est battue. Je dis c'est faux. On ne peut pas se sentir aimée parce qu'on m'a poché l'œil. Parce que je ne peux pas avoir un œil beurré et je suis content que l'œil est beurré. Je peux avoir le crâne ouvert et je suis content que le crâne ouvert. Au nom de l'amour, non. L'amour est douceur. Ah, donc, je voudrais dire que vous avez posé la question... Où se trouve l'origine? L'origine, c'est dans nos familles. Alors, on va écouter Serge qui a quelque chose à dire sur le poids des cultures. Tout à fait. Il faut d'abord observer que de façon globale, il y a ce que nous appelons dans les études de genre et développement, la socialisation des enfants suivant le genre. C'est-à-dire qu'on a construit l'identité féminine et masculine en fonction d'un ensemble de représentations et des clichés qui sont sexistes. C'est-à-dire on a contribué davantage à attribuer aux filles, les attributs de féminité, la douceur, la maternité, la candeur. On a contribué justement à attribuer aux hommes cette culture de l'autorité, de la violence, de la domination, de l'influence. Il y a donc, au niveau des schémas éducatifs que nous inculquons à nos enfants, notamment dans les familles, cette séparation, cette ségrégation qu'il y a entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons. C'est pour cela que la culture de la domination règne à partir de la famille au moment où on constate davantage que ces modèles qui sont véhiculés dans les familles se répercutent notamment sur les comportements des enfants. C'est ça qu'on appelle la socialisation différentielle des enfants suivant le genre. Le genre étant la construction de la différence biologique en fonction de nos représentations, en fonction de nos clichés. Et ailleurs, et maintenant, si l'on revient sur la dimension culturelle que Sylvain a relevée tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines cultures qui ont normalisé carrément la violence. C'est-à-dire que c'est sur la base de l'imaginaire collectif véhiculé dans la société que l'on se rend davantage compte que telle femme se sent aimée parce qu'elle est battue, alors qu'en réalité, il y a un problème de fond qui se pose avec la culture. Si vous suivez, par exemple, les chansons véhiculées par certaines racistes musiciennes camerounaises, écoutez, par exemple, les chansons de certaines de nos compatriotes féminines, vous allez vous rendre compte que dans ces messages qui sont véhiculés, on a la tendance à banaliser la violence, alors qu'en réalité, l'accepter. Lorsque les enfants miment ces morceaux-là, il y a question là de créer un processus de légitimation de la violence. Et là, ça pose un problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si l'on se cantonne dans la famille, on risquera davantage de biaiser le problème. Cette violence-là s'est également dans d'autres réseaux de socialisation, tels que les écoles, l'éducation, le rôle de l'éducation. Entre autres, c'est une culture de la généralisation de la violence qui sera davantage châtiée.
les premières valeurs s'acquièrent en famille. Apprendre à pardonner, ça prend en famille. Apprendre à partager, ça prend en famille. Apprendre à compatir, ça prend en famille. C'est-à-dire que l'enfant qui vient à l'école primaire ou alors à la maternelle à 3-4 ans n'est plus une tabula rasa. Il y a quelque chose inscrit dans sa mémoire. Et l'éducation devrait prendre le relais. Oui, l'éducation devait donc prendre le relais. Mais sauf que, comme il a dit, maintenant les autres canaux, l'artiste qui véhicule ce genre de discours ne reproduit que ce qu'il a appris en famille. Je suis très contente d'entendre monsieur le conseiller technique du MINPROF, je crois. C'est bien cela. Parler, parce que, à vous entendre parler, monsieur le conseiller technique, on a l'impression que vos propos sont quelque peu utopiques. Vous allez m'excuser, hein, avec le respect que je vous dois. Pendant les 16 jours d'activisme, nous avons l'ONG Akaïjek, en partenariat avec le MINPROF, nous avons été très, très, très impliqués dans les campagnes de sensibilisation, dans les dénonciations. Parce que j'en parle parce que j'étais au cœur de ça. Et j'en ai vu. J'en ai vu. Parce que c'est bien beau de s'asseoir et de dire on a ceci, on a cela. Une chose, je vous accorde une chose. Tout part de la famille. On est d'accord là-dessus. Si on a un parent qui est violent, la conséquence est immédiate. Et pendant les 16 jours d'activisme, notre rôle a été de sensibiliser. Nous sommes allés ensemble avec vous, les points focaux, dans les établissements. C'était au lycée Leclerc, avec au moins une dizaine d'établissements sélectionnés dans la ville de Yaoundé, où nous avons parlé des violences faites aux femmes et aux filles. Et mais qu'est-ce que vous reprochez voilà, au conseil technique? Je suis en train de dire parce que vous avez dit que c'est pour que je suis utopique. Donc, pourtant, de façon pratique, vous démontrez que le MINPROF collabore avec vous pour faire de la sensibilisation. J'ai cherché là où ils sont utopiques. Monsieur le conseiller technique, comme a dit Nathalie tout à l'heure, la dénonciation commence par le premier coup. Parce que si vous laissez passer le premier coup, bonjour la pagaille. C'est bonjour la pagaille. Parce que moi, j'avais dit la gifle. Hein. Oui, le premier coup, ça commence toujours par la gifle. Hein. Ça commence toujours par la gifle. Monsieur le conseiller technique, comme il disait tout à l'heure, on a... On doit partager... Et une bonne gifle peut vous amener ailleurs. Ah oui. Peut produire le pire. Et vous évanouir. On doit partager, on doit faire tout... Vous savez que nous sommes des Bantous. Prenons d'abord le simple cas que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Et nous avons été élevés que dans cette optique-là où c'est l'homme qui... C'est le sexe masculin qui est le sexe fort. Tout à l'heure, le genre. Hein? Vous comprenez? Donc, quand vous êtes dans la maison, vous avez deux garçons, deux filles. Le garçon va vous dire facilement, moi je n'entre pas la cuisine, je ne fais pas la cuisine, je ne fais pas ceci. Hein? C'est ça la socialisation. Vous revenez à moi en vous disant, quand vous dites... Non, mais les habitudes culturelles... Je vous ai dit que la cause, c'est nous remettons ce que nous avons appris en famille. Vous le dites si bien. Si les parents montrent des rapports conflictuels aux enfants, ils intègrent ces rapports comme un mode de résolution de problèmes. C'est pour ça que vous allez regarder, par exemple, dans nos écoles primaires, dans une classe, il y a des enfants bagarreurs. Il sort à 17h, il attend son camarade derrière la classe pour lutter. Et il y a, parce qu'il a intégré que... Je résous mes problèmes par la violence. Parfois, il est en train de reproduire ce qu'il a vu à la maison. C'est pour ça que je dis que non, nous ne sommes pas utopistes. Nous travaillons avec vous, nous travaillons avec beaucoup d'ONG, nous avons travaillé avec des partenaires, on a éduqué les jeunes sur le Yiforchi, j'ai parlé de la parentalité positive, j'ai parlé de la masculinité positive, ainsi de suite, pour que ce phénomène soit réduit. Et je vais peut-être terminer en disant, nous avons célébré un 8 mars sur le thème dénoncer. Mm-hmm. On en croit. Qui camoufle le crime?
qui camoufle la violence. Parfois, c'est la mère. Une violence faite sur l'enfant. Un bras de l'enfant bafoué. Parce qu'elle a peur du qu'en dira-t-on. Un enfant violé dans sa propre elle famille. Elle a peur des représailles. Elle a peur des représailles. Elle camoufle. Donc, il faut que les familles délient la langue et parlent. Et nous accompagnons les familles à le faire. Au niveau du gouvernement, le féminicide est tout aussi un sujet préoccupant. Heureusement, nous dit Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, des actions concrètes sont posées pour le respect des droits et libertés des femmes. Nous regardons Madame Marie-Thérèse Abenaoundoua. Si vous vous souvenez bien, le chef de l'État qualifie ces violences comme des incivilités. C'est dire que la plus haute autorité de l'État est préoccupée par la situation. Alors, que fait le gouvernement? Puisque le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille est en charge des problèmes de famille, mais il y a aussi d'autres départements ministériels qui sont impliqués dans la stratégie gouvernementale, y compris la société civile. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, pour ce qui est de la prise en charge, nous avons une approche holistique. Parce que nous faisons intervenir les départements ministériels clés, comme le ministère de la Justice. Nous avons aussi la Délégation générale à la Sûreté nationale. Nous avons d'autres départements ministériels qui regardent plus particulièrement les problèmes de ces familles. Peut-être qu'on ne communique pas assez dessus, je pense. Parce qu'il y a quand même un cadre légal déjà. Nous avons le nouveau code pénal qui remonte à 2016 et qui sanctionne. Au niveau du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, il y a la sensibilisation. Et comme tout se passe d'abord en famille, il y a déjà la préparation des familles à cette union sacrée qu'est le mariage. On ne décide pas de se marier parce que c'est un coup de foudre, mais on les prépare bien pour qu'ils assument leurs responsabilités. Maintenant, vous avez évoqué l'impunité. Je pense que l'impunité résulte du fait qu'on ne brise pas le silence. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas dénoncer. Et lorsque le drame arrive, les langues commencent à se délier. Et on va vous dire que ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà battue une fois. Elle est même partie dans sa famille et elle est revenue parce qu'il y avait des enfants. Donc il faut briser le silence. Et briser le silence, nous avons des structures, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a des structures déconcentrées. Il n'y a pas que le ministère. Nous avons des délégations régionales, nous avons des délégations départementales et des délégations d'arrondissement. Nous ne couvrons pas encore tous les arrondissements du pays, mais nous couvrons plus de 100. Et nous avons aussi des structures que nous appelons des centres de promotion de la femme et de la famille. Et au sein de ces structures, il y a des structures qu'on appelle certaines, des centres d'accueil pour femmes en détresse. Quand une femme est violentée, elle peut avoir recours à ce centre et passer 72 heures parce que l'espace est limité. Et là, elle veut retrouver un réconfort, un encadrement psychosocial. Nous avons aussi ce que nous appelons des gender desks, c'est-à-dire c'est des structures qui accueillent justement ces victimes de violences et les écoutent et sensibilisent, les réconfortent. Et nous travaillons en collaboration étroite avec la Délégation générale à la Sûreté nationale, c'est-à-dire les commissariats de police. Nous avons même déjà eu à former des officiers de police, et même des magistrats et d'autres personnes de la société civile sur ce problème des violences. Et il faut aussi savoir que nous avons entrepris la vulgarisation des textes parce que le gouvernement a quand même prévu des mesures pour protéger les citoyens. Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Alors avant cet élément qu'on vient de suivre, on a évoqué une question. On est allé trop vite là-dessus. Il faut rompre le silence. C'est l'une des solutions que nous proposons. Mais
ça vous le savez. Quand une victime a dénoncé, elle a abandonné à elle-même. Qu'est-ce que le ministère fait par exemple? Qu'est-ce que les ONG, l'État font pour préserver la sécurité de ceux qui prennent le risque de dénoncer les féminicides? D'accord. Effectivement, le problème se pose. On veut dénoncer, on arrive dans une structure appropriée pour dénoncer la violence. D'accord, on a dénoncé le mari, le bourreau qui arrive. Et après, vous allez rentrer à la maison. Hein. Vous allez rentrer retrouver ce bourreau qui va vous menacer plus, qui ne vous donnera plus l'argent de ration. Elle vit comment cette femme? Il y a tellement, tellement de freins à l'envie de dénoncer les violences. Surtout lorsqu'on n'est pas autonome financièrement. Parce qu'on peut dénoncer, après on dit, bah, de toutes les façons, j'ai mon travail, je peux vivre, je peux me débrouiller toute seule, je peux vivre. Mais quand on a des enfants, on a des charges, on n'a pas de travail, on compte sur ce mari bourreau pour vivre. C'est compliqué de dénoncer. Vous devrez véritablement avoir un ensemble de spécialistes de la psychologie mentale qui devraient davantage travailler avec ces cas de dénonciation qui sont faits. Parce que lorsque les victimes posent un cas de dénonciation, il faut l'accompagnement des psychologues cliniciens, il faut l'accompagnement des psychologues sociaux qui devraient justement travailler à ce que l'on puisse justement créer cet esprit de réellement moral de la personne qui est dans une poursuite de vulnérabilité. Une poursuite de faiblesse. Donc il y a ça. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il n'y a pas cette corrélation entre les différentes femmes qui sont concernées par les fonds de dénonciation et les structures, que ce soit institutionnelles. Il y a le ministère de la Protection de la Femme et de la Famille, il y a le ministère des Affaires Sociales, il y a même des ONG qui devraient avoir une certaine collégialité. C'est pour cela que nous pensons, par exemple, pour une dynamique synergique entre ces différentes structures d'accompagnement qui peuvent se situer au niveau des ONG, au niveau du MINPROF ou bien du MINAS, de même que d'autres associations telles que l'association camerounaise des femmes juristes qui travaillent dans ce sens de manière permanente. C'est pour cela qu'il devrait y avoir des pôles de réflexion sur des femmes qui dénoncent au quotidien, de manière qu'il y ait cet accompagnement psychosocial qui devrait davantage leur permettre justement d'éviter un ensemble de travers au sein de la société. Nous nous sommes rendus compte, en travaillant sur le terrain, que les 16 jours d'activisme, dès qu'ils sont passés, on n'entend plus parler de quoi que ce soit. What next? What next? That's the question. Les institutions gouvernementales, avec, nous avons discuté avec Madame le ministre, elle nous a parlé, vous avez suivi dans ce discours, il y a tous les accompagnements dont les victimes de violences ont besoin quand elles sont dans des situations compliquées. Nous avons donné, je fais des propositions. Bon, maintenant, quitte à ce que le ministère, qui est notre partenaire, puisse voir dans quelle mesure mettre ça. Mais les ONG que vous représentez, que faites-vous avec les victimes, ceux qui prennent le risque de dénoncer? Est-ce qu'ils sont encadrés? Nous avons des exemples. Il a parlé, Madame le ministre a parlé tout à l'heure des centres de promotion de la femme et de la fille. Quand nous avons eu un cas de violence vraiment très criarde, un monsieur qui a tapé sur sa compagne qui était handicapée, là c'était la double peine. On l'a amené au commissariat, il a été condamné et on a ramené la femme vers un centre de promotion de la femme et de la famille. Ça, c'est pour quelques jours. Est-ce que ça tient longtemps? Condamné à la police? Peut-être que vous me permettrez de dire une chose. Je vais commencer par dire que je crois que Madame le ministre l'a déjà même dit, et nous le disons chaque fois, les questions de violence basées sur le genre, la réponse doit être holistique. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille seul, en tant qu'institution, ne peut pas résorber le problème de violence basée sur le genre. C'est pour ça que le ministère travaille avec des partenaires. On travaille avec la DGSN. On a formé des policiers, on a mis dans des commissariats ce que nous avons appelé les gender desk. C'est-à-dire que nous travaillons avec le policier qui reçoit la victime de la suivante de la violence pour qu'il ait une attitude au moment où il accueille. Ça, c'est une chose. L'autre difficulté, vous avez dit, oui, on va dénoncer. Mais il faut comprendre que
Parfois, on dénonce, c'est la famille encore quand le mécanisme de la justice veut se mettre en route, la famille tient des réunions et s'engage à stopper la procédure. C'est la plaignante qui revient vous dire, c'est la mère de c'est le père de mes enfants, c'est. Donc, je voulais dire, s'il va en prison, on va vivre comment? Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons toute une direction qui s'appelle la direction de la promotion économique de la femme. Nous travaillons avec les femmes sur l'entrepreneuriat. Parce que libérer la femme d'abord à un certain niveau, c'est lui donner une certaine autonomie économique. Une certaine autonomie économique. Vous l'avez dit, on forme les femmes dans nos centres de promotion de la femme et de la famille pour qu'elles fassent les métiers comme l'hôtellerie, l'esthétique et ainsi de suite, la couture, pour ne pas être totalement dépendant du conjoint. Je ne vais pas terminer sans répondre à ce que madame disait tout à l'heure en disant que what next after de ces jours d'activisme. C'est un moment d'arrêt où on parle d'activisme, mais on ensemble d'activités communes. Toutes les activités que le MIMPRO fait avec les partenaires que nous avons cités ici, c'est pour que quotidiennement nous travaillons pour réduire les violences basées sur le genre. Il faut préciser qu'on attend beaucoup du code de la famille, ou plutôt du renforcement de ce que vous avez appelé l'arsenal juridique existant pour venir à bout de ce phénomène. On va continuer la discussion, mais regardons Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille sur cette question du code de la famille qui est attendue. Alors, le code de la famille, c'est un dossier qui est assez vieux, je dois l'avouer. Mais il y a eu des rencontres interministérielles présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement, un des premiers ministres. Et les échanges qui ont découlé de cette rencontre ont renvoyé le dossier au niveau du ministère de la Justice. Donc, ce dossier se trouve au niveau du ministère de la Justice. Mais à l'heure actuelle, le ministère est en train de travailler avec l'appui de certains partenaires sur une loi sur les violences basées sur le genre. Ça, c'est le dossier le plus récent. Ça, c'est ce qui risque d'aller plus vite que le code des personnes de la famille. Mais ce n'est pas un dossier qui a été classé. Mais ce dossier se trouve au niveau du ministère de la Justice. Mais nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet de loi pour renforcer. Ce n'est pas pour dire que l'État n'a rien prévu, mais nous voulons encore renforcer davantage ce que l'État a déjà fait. Donc nous sommes sur un projet de loi et nous espérons que le travail préliminaire, qui est déjà suffisamment avancé, sera bouclé et qu'on pourra le présenter aux parlementaires lors de la prochaine session. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Parce que quand il y a victime, il faut quand même réconcilier. Il faut être sûr que la personne qui va peut-être retourner à la maison ne va pas tomber sous les coups d'un bourreau qui finira par lui arracher la vie. Il y a un accompagnement juridique. Je vais parler par exemple de l'appui qu'apporte l'Association camerounaise des femmes juristes, qui donne un accompagnement juridique gratuit aux victimes. Mais le dossier est préparé par des techniciens au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la famille qui font donc intervenir cette structure et d'autres magistrats non membres de cette structure qui sont des hommes interviennent aussi. La recrudescence des féminicides et des violences faites aux femmes est dénoncée par le gouvernement et la société civile camerounaise. L'impunité perdure, tout le monde appelle à des mesures urgentes. Comment prévenir le phénomène? Vraiment, c'est le dernier tour de parole, Madame Bafakan. Il faut que nous apprenions, nous les femmes, dès que nous sommes dans une situation précaire, à savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. On ne peut pas perdre la vie juste par amour pour ses enfants, vous allez m'excuser le terme, par amour pour son mari. Quand vous sentez que votre vie est en danger, il faut savoir partir. Nathalie. Je pense qu'il faut mettre fin à l'impunité. Pour mettre fin à l'impunité, il faut véritablement appliquer ou bien prendre en compte l'arsenal juridique qui existe et surtout informer les victimes. Je parle de victimes, mais c'est davantage les survivantes parce que en s'agissant des violences, les mots ont une place. On parle davantage de survivantes parce qu'elles ont effectivement survécu
à la violence et il faut pouvoir les protéger. Trouver un moyen de les protéger de façon efficace. Protection du bourreau, protection au plan financier, au plan social. Elles ont besoin d'être protégées. Docteur Tchonko. Oui, merci. Je crois que pour éradiquer, prévenir ce phénomène, il faut d'abord, nous l'avons dit, c'est une question d'une approche holistique, que nous travaillons de façon en synergie pour que toutes les sectoriels se sentent impliqués. Dans tous les secteurs qu'on travaille sur l'éducation, la sensibilisation et de façon capitale dans la famille, qu'on travaille dans la famille pour donner un autre mindset à l'enfant. Et il y a un autre domaine, et je crois que le ministre l'a dit suffisamment, on travaille, il faut punir, Nathalie l'a dit, il faut que les bourreaux soient punis. Il faut que les bourreaux soient punis. Sauf que, au-delà de la punition, il faut également qu'en solution, parfois les bourreaux soient pris en charge, parce que parfois c'est des malades. Il faut envisager des programmes d'éducation à la gestion de la colère. Le programme d'éducation qu'on exige, qu'on propose aux familles pour que le bourreau, parfois je dis, c'est des malades parfois sur lesquels il faut travailler. La réponse donc doit être autant sur la femme, autant sur le bourreau. La punition et la resocialisation, à mon sens. La punition parce que nous avons déploré le système... La punition en amont, parce que nous sommes là en amont, prévenus. Oui. L'acte n'est pas encore posé. Non, vous savez... Pour que le phénomène se développe dans la société, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ma question. Pour que le phénomène se développe dans la société, il va falloir qu'il y ait la rééducation d'un ensemble de catégories sociales. Parce que vous savez, nous sommes tous concernés par ce phénomène, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, toutes les catégories sociales. Il y a aujourd'hui un problème de fond au niveau des messages que nous véhiculons. Parce que la violence n'est pas seulement physique, la violence est même d'abord verbale. C'est là où ça commence. À partir du moment où vous lancez des piques, des intrigues, des colibets, des sarcasmes, ça pose un problème. Donc, lorsque la violence verbale se développe, le point de chute, c'est la violence physique. Et alors là, il faut travailler davantage les mœurs, les mentalités individuelles et collectives pour justement amener les individus à ne pas avoir un discours essentiellement violent. Regardez comment on se comporte dans les familles, dans les écoles, dans les médias et autres. Il faut véritablement qu'il y ait une resocialisation des individus à la tempérance, à la pondération, et non plus à tenir des discours violents qui entraînent des comportements que nous regrettons tous aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut davantage travailler le discours qui sont tenus, il faut travailler les discours qui sont tenus par des individus, les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes de troisième âge, de manière que l'on puisse justement tempérer, opter pour la tempérance de manière permanente. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à nos invités, merci mesdames. Monsieur, merci. C'est la première édition de Scène de Presse de l'année. Nous avons été assez éclairés sur la question, que ce soit les vœux à la présidence de la République, le discours du chef de l'État, que ce soit cette question sur les féminicides. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder. Bonne suite des programmes sur la CRTV.